Mesdames et Messieurs, c'est Cheikh Abbas de Kewale People Magazine, le fondateur NCU. Bi amé un documentaire kadra konnala. Primaru dagolo ga documentaire parce que sans ça Kewale People be primaru dagolo di yanango di mogoma ané kanga ira folo jongwe dagolo. C'est pour cela que ni documentaire be poser trois questions à jongwe dagolo ye aka Kewale ko djumé ani muna ni prima toyala. Amna documentaire ira la. À Bamako, dans la nuit du vendredi 7 novembre au samedi 8 novembre 2014, la lune refusa de tomber et le soleil de se lever. Certains disaient que c'était l'éclipse, tandis que d'autres présentaient un grand malheur. Le temps finira par donner raison à ces derniers, car c'était l'âme d'un puissant serviteur d'Allah qui s'en allait vers son créateur, là, Mamadou Dagolo. Depuis Mamadou, ça reste qu'il n'y a pas de mort. Nawe nere ka adama dinya jafi mine ne ku shole ndo de ne ku ngakala nde ambiance ku kat ne ku ju mais depuis mamar mutanya na ne fala to na ma na so. La mort de cet illustre jeune richissime a été un coup dissuasif dans la vie de plusieurs centaines de personnes. Du Mali jusqu'au-delà des frontières, un peu partout dans le monde, la perte de ce philanthrope s'est fait sentir à travers un jour de deuil national, décrété par des jeunes. Ta wartigi demiseni ki kana folo soro ki to demiseni ya kono ka klaka na akili do dima ki to demiseni ya kono ne redani biche ne maye mugo sila ne Mamadou te. De nombreuses grandes figures de la culture malienne ont également partagé ce moment de détresse au point de se retrouver à l'hôpital. Considéré comme l'homme le plus influent de sa génération et une idole pour toute une jeunesse, ce jeune homme de 35 ans était l'incarnation du travail, du courage, de la bonté, du luxe et de la persévérance. Mahamadou était un grand travailleur. Comme on le dit dans notre langue, Fonisse Kounou, c'était quelqu'un qui était vraiment généreux. On y mérite Dagolo ka parcours là. Il faut avoir baraké ka wardi comme Dagolo quoi. Il y a des hommes dont on mesure l'importance une fois perdu. Il y a des hommes dont on perçoit l'impact une fois le pied posé sur le sol de leur exploit. Eh bien, le fondateur des sociétés Hydromali, Kersi, Soudan Immobilier et Gaz, Mamadou la figurait dans les deux catégories. Tellement Dagolo kay. Ni muso muso Dagolo sera digne. Ala y son mère, Dagolo n'a pas de bambou. Ala ta fille, elle est de bambou. Natalina, il vient de me faire un peu de conseil. Ni muso muso Dagolo sera tchè. Car fort net de la gagnon, elle est soyez caloté. A son relais, quoi, il fait Natalina. Il vient de me faire un peu de conseil. Ni horon ke fo fe Dagolo sera tirié. Amodla sera tirié. Il va sera kabina ala ki day manu an tirié sera. Digne représentant de l'ethnie Djawembe, qui en plus de l'ethnie Soninké, est indissociable de l'émergence de l'économie malienne. Mamadou la, dit Dagolo, était une fratrie de 5 enfants et d'une famille moyenne et commerçante. Il doit sa fortune à sa confiance développée dans le monde du business et son acharnement accru au travail qu'on connaissait de lui. Je
Il a su s'imposer dans le secteur si difficile des hydrocarbures où il connaissait la performance guidée de ses différentes initiatives dans un secteur si sensible dominé quasiment par les grandes filiales françaises, britanniques et américaines. Ce père de famille, avec deux épouses et trois enfants, ce redoutable homme d'affaires, cette force de la nature, était l'un des premiers jeunes à avoir foi et confiance en son pays, le Mali. Je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment entrepreneurial. Et surtout, vu son âge, vu tout ce qu'il a réussi au Mali, je pense qu'il était vraiment à saluer. Parce que rares sont les jeunes de sa génération qui ont pu vraiment marquer autant le monde économique au Mali. Au-delà du secteur de l'hydrocarbure, Mamadoula était dans l'immobilier avec sa société Soudan Immobilier, dont on connaît avec ses deux sublimes maisons de 14 villas et 11 villas à la cité du Niger. Et ses 7 immeubles dans la CI 2000, y compris l'immeuble d'Agolo qui a porté son nom après sa mort, tout ça pour ne citer que ceci. Derrière tous ces fameux exploits, Mamadoula d'Agolo vient de loin, même de très loin. À l'âge de 15 ans, juste avant d'avoir le CEP, il laissa l'école et son père l'envoya directement à son village d'origine, Kersikane, d'où il tire le nom de son illustre société de transport Kersi, comme d'après lui-même sa fierté. Mais doué d'une intelligence incomparable, il réussit à faire des choses extraordinaires, notamment sa maîtrise exceptionnelle du système des affaires. Selon ses proches, pour lui, les chiffres étaient importants malgré qu'il n'ait pas eu de niveau scolaire important. C'est pourquoi il tenait personnellement sa comptabilité à ses débuts sans aucune trace de légèreté. Avec une fortune colossale estimée à 700 millions d'euros, soit 458 milliards 500 millions de francs CFA. D'abord, Agolo aimait la vie, une vie de rêve, car il s'achetait toutes les dernières versions de Mercedes, AMG. Ses voitures personnelles étaient estimées à sa mort à une centaine de Mercedes et autres marques. Ses trois résidences personnelles comportant chacun 6 garages, dont chaque garage contenait 6 places de voiture. À l'horizon de 2015, il projetait d'avoir un jet privé au Mali, un yacht au Ghana. D'Agolo aimait la vie, mais il a vite compris que c'est dans ce bas monde qu'on trouve l'au-delà. Avec une générosité sans limite, ce mécène a montré qu'il avait sa place dans le paradis. Plusieurs mosquées construites et d'autres achevées. Il acheta aussi plusieurs corbillards d'une valeur de 200 000 dollars, soit 100 millions de francs CFA, qu'il remit aux mosquées. A noter qu'il était le premier investisseur et employeur privé malien qui payait ses salariés même après leur mort. Le jeune riche dont il s'agit a également consacré sa vie ou une partie de sa fortune à des actions sociales, humanitaires, sportives et artistiques. Ce mécène était à lui seul une ONG humanitaire, une fondation. Il avait recensé une centaine de femmes qui avaient perdu leur mari et leur donnait chaque jour leurs frais de condiments. Naka Diakono, Mamadou Ben Hine Koujou. Mamadou Bidon, Atidon, Naye difficulté là, Abayini, Abibo Akono. Nyotarama Seria là, Nerekera Dom Chidouni. Omo Aklobena, ou Nyebena, Omo Rombe Mesekambou Moni Jati Fou Mouka.
Défenseur des couches démunies, riche et généreux, toujours au service des nécessiteux et également des hommes de caste. Huit Dagolo, l'homme aux multiples exploits, ayant honte de donner moins d'un million, pouvant permettre chaque année à une quarantaine de personnes d'effectuer le pèlerinage à la Mecque, environ 2 400 $, soit 1 200 francs CFA comme argent de poche. De 2010 à 2014, il a fait renaître l'espoir et l'optimisme chez les jeunes pour réussir. Dame du sourd don n'era kono parce que Dagolo est koba ou de kijabana kono. Donc ni Mohamed est koba ou kekateme ni bebo ko o ga exemple suit ah ok ça oui justement t'es que foirier. Demisemu bebe nete mo bebe ka kunye Dagolo junior Dagolo junior ne bora Amerika dongo tenu fitini do il n'a que 10 ans. Mais malien de nga wulula ya la abba wulula non. Mais chaque fois, aba fode kale Dagolo junior. Mais s'il y a quelqu'un qui peut remplacer Dagolo, ce sera Mamala, son protégé. Parce que ce dernier suit ses pas dans sa générosité et dans sa qualité d'être toujours à l'écoute des autres. Ah mais Mamala fou, ne ben Mamala fou. Ne ben Mamala fou. Ça y a quoi tout baga yuman te paye de. Nana hakili jinga Dagolo na hakili jinga jigaro mena bura kawa na mena do jenga na amabo Dagolo kila na kungat nere kat nere akali ma doron tere ala jenere atani biche ay laudi munta ne ala dembo ala mimo laudi fane no e mama lai. À noter enfin que sur le plan migratoire, l'homme le plus influent de toute une génération a permis à une centaine de jeunes de faire leur premier pas à l'extérieur avec un fonds compris entre 5 et 10 millions de francs CFA. Allah